Valiral doit counter pas mal. Tu peux toujours te sustain en tapant, mais oui, à partir du moment où tu peux lancer de ça. Ouais, ce qui est bien, c'est que les silences sont forts. La plupart des auto-attaqueurs, genre, tu mets un silence sur Yidan, bon, c'est chiant, tu peux pas sortir, tu peux pas mettre 2Z, 2A, ok et tout, mais il peut quand même se soigner. Mal'Ganis, le silence va être casse-couille parce que tu peux pas te soigner avec tes compétences. Donc tu bloques la moitié de sa sustain. Et un blind, bah, bloque l'autre moitié de la sustain, donc ça peut être cool. Ce qui peut être très fort contre ce perso, ça va être bah, les antihills surtout. Hein. Les antihills vont être excellents contre ce perso. Le kitting, il a aucune mobilité, Mal'Ganis. Donc la mobilité va être très forte contre lui. Bijour Bibou! Tu m'as pas entendu tout à l'heure, je parlais de toi et tout, c'était formidable. Ça lui va bien en vrai. La monture. Moi qui pensais que tu n'avais aucun sens de l'humour, chante l'ombre. Commencez dans 10 secondes. Je dois me mettre en chasse. 5, 4, 3, 2, 1. On va s'amuser. On va prendre ça. Où est Illidan? Oh là, le in, ça commence bien. Misérable mortel, nous tuer les premiers. Con. Une arme. Il me faut une arme. Ma patience a des limites. Ouais, je pense qu'il vaut mieux le silence en vrai. Quoi encore ? Tu es ! Tu es ! Meurs, imbécile. Je dois me mettre en chasse. Très bien. Nice. Faites voir vos doublons et je pointerai peut-être mes canons contre vos ennemis. Secondez notre allié. Ah, la mine, on le voit quand même bien. On voit quand même bien la mine. Il paraît qu'il y a un trésor sur les quais. Premier arrivé, premier servi. Du coup, gros soleil, non. Ouais, mais je suis désolé. Après, c'est normal que vous me demandiez, mais je vais faire. Dès que le live se termine, je balance des trucs sur YouTube. C'est vrai que là, j'avoue que vous me demandez pas mal depuis tout à l'heure. Après, globalement, je pense que. En solo lane, ça sera pas mal. Il manque de dépush, mais ça reste tout à fait ok. Alors, en tank, je pense qu'il peut être joué main tank, mais. Un peu comme Irel. Autant le jouer en solo lane en fait. Il manque cruellement de mobilité. Il manque cruellement de mobilité. Mince, j'avais pas pris ça. Après, il manque de dégâts. C'est clair qu'il manque pas mal de dégâts. Mais du coup, pourquoi pas en main tank, mais si t'as des trucs qui peuvent l'aider en engage, parce que sinon ça peut être compliqué. Hein. Genre, là par exemple, Maiev ça peut être vraiment cool, Kerrigan ça peut être cool pour l'aider à trouver des engage. Parce que c'est plus en secondaire, c'est pour ça que ça ressemble beaucoup plus à un kit d'off tank en fait. Je dois me mettre en chasse. Pour la dernière fois, je suis Mal'Ganis. Je ne suis pas une tortue. Je suis éternel. Une âme. Il me faut une âme. Choisir talent.
On va essayer ça. On va essayer ça avec le 16. Déçu. Mortel. Je dois me mettre en chasse. Le pourcentage PV c'est vraiment pas mal hein. Elle a pas l'air terrible la Kerrigan. Je pense que ça c'est trop fort. Je pense que la volonté de Ticondo c'est trop fort. Attends, je vais lui redonner des PV. La bonne utilisation d'ultime. On va lui redonner des PV, ça va être formidable. Je rappelle que c'est l'inverse du de la lieuse de vie d'Alextra. Donc en gros là ça a pas fait de dégâts parce que ça a pas fait de dégâts parce que justement j'étais en mode j'avais quasiment autant de PV qu'elle, donc zéro dégâts. Ça va repéter, voilà. Dommage que ça indique pas quand même que ça va repéter. Un peu comme d'autres persos. Nous détruire fort. Eh ben quand c'est. Oh, je l'ai cancel. Oh putain! Oh Tsunano, c'est fort quand même! S'ils en volent encore, qu'ils payent d'abord! Oh putain, Tsunano! Tu me fais pas de dégâts! Ah, tu vas peut-être me faire des dégâts! Ah, ça me vole la vie! Fort bien. Bon là ça faisait le 7, le 7 pour moi c'est trop fort. Le volonté de c'est trop fort. Vraiment c'est beaucoup trop fort. T'as même pas besoin de skill en vrai, c'est juste tu touches ton A et c'est bon, ça suffit quoi. Je dois me mettre en chasse. Pourquoi me donner des ailes? Si c'est pour me faire marcher. Je bois un petit coup. Deux levels de plus sur ce combat. Oui, vraiment. Je m'en souviendrai. On était quand même un petit peu en infériorité numérique aussi. Tu peux. Vos ennemis n'ont qu'à bien se tenir.
continue comme ça, je serai peut-être à la modifier. Ah, il aurait dû nous stun, je pense, de l'autre côté. Attendez, on va le soigner. Ah, je me suis tellement tué. C'était marrant. Parce qu'en fait, il a ult pour se soigner et moi j'ai fait la même du coup. Oh, la connexion était genre au meilleur des moments. Ah, il m'a pété la gueule. C'est marrant. Ah, putain. Oh la vache. Parce que la sienne et la mienne on proc quasiment en même temps. C'est un peu bizarre quand même ce qui s'est passé, parce que en théorie on aurait dû s'échanger nos PV, ça aurait pu être marrant. Il est juste sous votre nez, il avait qu'à vous servir. Je vais me battre. Elle est morte, comme une merde. Comme un con. Voilà, j'ai tout balancé pour avoir direct les pourcentages PV. Et non, t'auras pas mes sous-sous. Et là, on va faire ça. Et là, je pense que ça, je pense que c'est pété. Je pense que c'est pété. On va payer parce que je vais crever très vite. Donc ça va être pété de ouf. Ça va être pété de ouf. C'est au moment de la fin, donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu un échange équivalent à la Full Metal Alchemist. Golmo l'a payé ? Bah on s'en fiche ! Que le feu d'artifice commence ! Je payais plus rien. Je l'avais touché au début, hein. Je l'avais touché. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça fait très mal. Combat détruire fort ! Là, elle va s'énerver. Je pense pas que ce R soit ultra... Il peut être très playmaker, mais déjà ça demande un petit peu de temps. Ça demande un temps de 0,75 de canalisation et ensuite c'est au bout en 3 secondes. Ça veut dire que c'est 3,75 secondes avant d'avoir les soins, quoi. Oh, je voulais le soigner. Je voulais le soigner, c'est dommage. L'idée du Q-spell est géniale. Non, mais clairement. L'idée du Q-spell. Bah, après, c'est Riven, hein, mais c'est tellement bien. C'est tellement, tellement bien. Et au lieu de bump, ça stun. J'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'était marrant. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à voir si j'ai touché. Mais là, il aurait fallu. Bambou. Ah merde, elle a quitté. Parce qu'il fallait que j'ai bambou en vocal pour qu'elle me dise vers le bas, continue, non, vers le haut, vers le... Genre, ça aurait été génial. Ça aurait été excellent. J'aime beaucoup. Les premiers en dégâts disent que le héros fait pas trop de dégâts. Bah, j'ai passé ma gamma fight. Mais en vrai, c'est ça qui fait que ça fait beaucoup de dégâts. Sans ça, tu fais pas tant de dégâts que ça. Merci à toi Tristan Fordring pour les 9 mois d'affilée. TRQR qui... Extrêmement heureux pour toi que Mal'Ganis soit enfin arrivé dans le Nexus. Émoticône souriant, j'espère qu'il sera à la hauteur de tes attentes. Ah putain. Mais du coup, je pense que l'autre ult est meilleur quand même. Je pense que celui-là, c'est du Lesbrouf. C'est waouh, oh là là, c'est incroyable, ça fait du vol de vie et tout. Mais c'est comme la lieuse de vie à la sortie d'Extraza. Je pense pas que ce soit ouf. Je pense que l'autre est bien meilleur.
fait, c'est un perso avec lequel on a besoin d'un copilote pour le 16, oui. Toi qui dodge mieux qu'il. Petite bibou. Petite bibou. Bon, du coup, on va faire une pause et on va continuer après. Parce que bah, je m'éclate, moi. A tout de suite.